Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 207 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Jurassic Park sur Game Boy. Ce jeu, je le connais tellement, j'y ai tellement joué quand j'étais gamin. C'est un petit jeu d'action, comment dire, où c'est qu'on va devoir sauver Timmy, on va devoir sauver les enfants des tyrannosaures et tout un peu en fait un peu comme dans le film. Donc c'est parti, on va lancer. Putain, la musique quoi, c'est nostalgique pour moi, c'est quelque chose de dingue. Par cœur. D'ailleurs, il y a même des cheat codes qu'on pouvait faire sur ce menu. J'avais découvert ça très longtemps après. On pouvait passer les niveaux avec une combinaison de touches. Alors, l'alimentation électrique de la grille de l'enclos a été coupée. Les dinosaures ont pris le contrôle du Jurassic Park. Retrouvez Tim et sauvez-le. D'une allée de Triceratops. D'une ruée. J'ai de la peine à lire. Étiez détecteur de mouvement pour obtenir des informations. Allez. Donc, c'est parti. On commence directement dans le jeu. On a un petit canon pour tirer sur les dinosaures. On a les dinosaures qui sont pas. Sont pas tellement gros, hein, vous voyez, les petits dinosaures ils sont petits. Il faut pour cela, il faut 2 balles pour les tuer. Le but, chaque niveau, ça va être de récupérer les œufs. Vous voyez les petits œufs là-haut, hop, vous voyez en bas à gauche, hop, 9, 8. Il m'en manque encore 8 à récupérer sur cette map. Quand j'obtiens les œufs, quand j'obtiens tous les œufs, en général, j'obtiens des cartes d'accès ou des choses du genre. Regardez, hop, une carte d'accès, qui va sûrement me permettre de rentrer quelque part dans un bâtiment. On va le voir après. Pour l'instant, on continue à se balader dehors. Alors là, il va y en avoir un. Voilà, il y en a un. Lui, c'est un gros. Il lui faut 4 tirs de semi-missile parce qu'on va voir qu'on peut changer de, d'armes. Il y a au moins 2 types d'armes. Je sais plus exactement, mais il y en a au moins 2. Là, pour l'instant, c'est des petites munitions toutes basiques. Hop, on obtient. Encore un œuf. Alors, faut pas toucher la plaque là que vous voyez, la plaque carrée, sinon on meurt grillé et électrocuté. J'ai déjà essayé. Bon. Il y a longtemps. Et vous mourrez direct. Vous perdez toute votre barre de vie, qui est symbolisée par la barre en bas à droite. À côté, donc on a nos vies. J'ai 2 bonhommes. Comme je meurs. Et mes munitions. Ainsi que le type de munitions. Oh, il y avait un petit vicieux qui était caché dans les forêts. Il me semblait qu'on pouvait passer là en dessous. Allez, sort de là, petit vicieux. Oh, il y en a 2 même. 2 petits vicieux. Alors, aussi, un truc à faire, c'est de pas user ses balles inutilement, même si je suis en train de le faire un peu des fois. Quand il meurt, il laisse derrière eux le même nombre de balles que vous venez d'utiliser, en fait. Donc, du coup, c'est pratique, mais il faut pas les perdre. Alors, on vient de changer de munitions, regardez. Voilà. J'ai tiré une seule fois sur lui. Ouais, j'ai tiré 2 fois comme un débile, mais non, en tirant une seule fois, ça le tue normalement. C'est des munitions un peu différentes. Tout à l'heure, elles avaient un petit bout arrondi. Là, elles ont un petit bout un peu plus dur. Un peu plus en pique. Donc, on va y aller par là. Normalement, celui-là, il devrait regarder. Il meurt en un coup. Il nous en reste 7. Je vais peut-être passer sur les autres munitions parce que là, je suis en train d'user. Par contre, je sais plus comment on fait. Je sais plus du tout. Je crois, voilà, select, voilà. C'est bon, j'ai changé mes munitions. Vous voyez, elles ont rechangé un petit bout arrondi. Voilà. Yep. La petite musique. Ah, c'est tellement mythique. C'est tellement de souvenirs, quoi. Voilà, un œuf, encore 2 œufs, il nous manque. Je ne sais pas où ils sont, par contre. Oh, putain. Ils sortent des trucs là, je sais pas, il y a quelque chose en haut, je sais pas. Non. Non, ça sert à rien. Hop. Il me semblait. Ah bah oui, il y en a un là, on le voit d'ici. Il y en a un sur le bâtiment là-haut. Il y a le deuxième à côté, donc c'est bon, on va pouvoir les récupérer. Hop. Ah non! Vous voyez, j'ai récupéré un œuf aussi en tirant dessus. Non. C'est pour ça qu'il y est plus. Sans faire exprès, comme j'ai pas tiré sur le dinosaure. Hop, carte d'accès. Voilà, on va pouvoir sûrement rentrer dans un bâtiment maintenant. Alors, est-ce que ça va être celui-là?
Non, ce n'est pas ce bâtiment, donc ça doit être l'autre bâtiment qui est plus bas. Eh ben, on y va. On y va direct. On s'occupe pas du bestiole, de toute façon, il réapparaît toujours. Voilà. Alors, le but hein, de tout ça, ça va être d'ouvrir le portail. Hein. Pas expliqué, mais d'ouvrir l'enclos devant lequel, putain, un piège, devant lequel on est arrivé. Donc voilà, il me reste déjà plus qu'une vie. On va pas aller loin. Oui, suivant lequel on est arrivé, il y avait des grandes portes, et ben, il va falloir les ouvrir. Mais comme c'est électrique, et ben, il faut qu'on trouve comment faire. Et il y a tout un système de cartes d'accès. Donc quand on aura trouvé ici, il va falloir. Quand on aura trouvé tous les œufs qu'il y a ici, il va falloir aller dans l'autre bâtiment. Et ainsi de suite. Allez, je vous laisse quelques minutes de gameplay. On se retrouve dans quelques minutes.
Nous voici en train de lutter contre nos menus. Je sais pas si c'est lui qui va ouvrir normalement. Non, accès refusé. Donc il faut trouver en fait le bon truc qui va nous ouvrir en fait la porte. Donc ça m'étonnerait que ce soit lui non plus. Ça m'étonnerait hein, de souvenir. Je crois qu'il va nous dire accès refusé aussi. Ah, accès refusé. Déjà c'est déjà mieux. Mais il faut pas que je fasse ça depuis cette console. Il va falloir que je trouve une autre console dans laquelle j'ai le droit de faire ça. Dans le bâtiment là-bas, il me semblait qu'il y en avait une. Je l'ai pas vu donc. Donc ça va le petit problème. Je pense que c'est là-haut. Non, ça m'étonnerait que ce soit celle-là. Celle-là, je m'en suis jamais servi. Dans ce bâtiment, il me semblait qu'il y avait un truc caché quelque part. Un peu plus loin. On va. Hop. Descends par là. Hein. Donc là, je suis arrivé là tout à l'heure. Il me semblait il y a une autre pièce là où c'est que je suis pas allé. Et ça doit être ça. Voilà. Il est là. Ah, le dinosaure de merde. Hop. Et voilà. Normalement, c'est lui. Alors, menu principal, aide à l'écran, contrôle, portail, choisissez une case. Attention, le portail principal de Jurassic Park est ouvert. Allez, c'est parti mon petit. Il nous reste plus qu'à sortir et nous rendre au portail. Pour affronter une grosse armée de gros dinosaures là qui veulent écraser Tim. Et on va aller le sauver. Même si c'est pas facile non plus. Il est pas facile ce niveau, il y a... Ouais, allez. Vous allez voir, c'est assez épique. Et voilà, il est ouvert le portail, c'est celui-là qui était fermé tout à l'heure. Et donc, c'est parti. Oui, je sais plus comment il s'appelle, celui-là. Allez, c'est parti, mon petit team, viens avec moi. Donc lui, il me suit comme un nul, regardez. Hop. Et on doit l'empêcher de se faire écraser. S'il se fait toucher par un dinosaure, ne serait-ce que graphiquement, on perd de notre propre vie. Et c'est pas si facile de glisser là. Hop. Parce qu'il nous suit comme une merde. Ah là, ça va jamais passer, ça va jamais passer. Ah, il s'est tout fait toucher. Et là, c'est mort, il va se refaire toucher. Voilà, on va essayer de le faire. Ah non, c'est moi qui suis mort. Ah, il nous reste une vie. Je sais pas si ça suffira. C'est vraiment tendu des fois quand même. Encore si c'était que nous, ça serait facile. Mais là, il y a aussi le mec, il y a aussi le gamin qui est derrière qu'il faut sauver. Et il nous suit comme une merde. Oh là là. Ah, il se fait toucher aussi. Et là, c'est un vieux truc pourri. Comment je peux le deviner ça? Ah, il se fait toucher, voilà. Mais de toute façon, il n'y a pas tard à mourir à moins que la fin du truc soit... arrive, non. C'est bon, j'ai perdu. Et on va recommencer. Vous avez été vaincu par les dinosaures. Qui ont maintenant pris le contrôle de Jurassic Park. C'est ballot. Bon, on va le refaire parce que je ne vais pas rester sur une défaite. Sur cette vidéo. Allez, on continue. On se refait l'armée. Cette fois-ci, on devrait avoir nos vies. Comme au début. C'est parti, mon petit. Viens, viens avec moi. La première fois que j'ai dû faire ce niveau, j'ai même pas été récupéré, Tim. Je restais en bas, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Je me disais pourquoi il se fait écraser. Et comme un idiot, je suis mort infiniment en fait. J'avais pas du tout compris ce qu'il fallait faire. Oh là là, comment voulez-vous que je devine qu'il allait faire ça maintenant? Ah non. Je l'ai presque pas touché. La petite musique, elle devient psychédélique, oh non. Allez. Hop. Ah, oui, c'est bon. Oh non, mais comment vous voulez que je fasse? Ah bah là, il va se faire toucher. Hein. D'ailleurs, il devrait être carrément mort. Oui, ils me font faire des allers-retours, les mecs. Ça devrait le faire. Il me reste encore mes deux vies. Même si je vais pas tarder à mourir, ça devrait le faire. Et ça n'en finit jamais.
Allez! Ah non! C'est sérieux ça? Voilà. Ah bah on est morts tous les deux. C'est beau. Allez! Ah, c'est pas dur à faire en soi, c'est juste. C'est chiant. Et puis en plus, on perd plein de vie, on comprend pas, on n'arrive pas à gérer. Faudrait vraiment être un duo. Alors, bravo, vous avez évité à Team de se faire écraser. Oh, putain, le nombre de fois où je me suis fait écraser, moi. Il vous informe que sa soeur se cache en... Donc, on va sauver sa soeur maintenant. Et bon, on va pas le faire, on ira pas plus loin. Donc, ce sera tout pour Jurassic Park sur Game Boy. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.